Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Bertrand Godin et j'aurai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette activité bien spéciale qui semble devenir une tradition puisque nous en sommes déjà à la 3e édition. I can't imagine a better combination than Montreal and its Grand Prix to form the backdrop for today's important activity. Today, our event is called Impaired Driving, Would You Pass the Test? La CAA est très fière de s'unir à la FIA afin de promouvoir la sécurité routière dans le contexte de cette grande fête de l'automobile qu'est une course de Formule 1. Et c'est pourquoi nous sommes ravis que vraiment deux pilotes de la F1 qui sont en fait des ambassadeurs de la course automobile qui embrassent cette cause de la sécurité routière, bien on pense que les fans vont recevoir ce message-là de façon encore plus efficace. Vous allez voir que c'est un scénario finalement qui démontre l'effet et conséquences de l'alcool au fur et à mesure que le taux d'alcoolémie progresse dans le sang du conducteur. Il s'arrête à un deuxième bar. Vous allez voir apparaître encore une fois une autre bière. Il la consomme un peu trop rapidement, vous direz. Donc, le conducteur commence à avoir une vision brouillée également. Les écrans deviennent un peu plus brouillés, comme si la vision... Et voilà, il y a un impact qui vient de se produire. Nos pilotes viennent de frapper un cycliste. Vous savez, lorsqu'on consomme de l'alcool ou qu'on prend certaines drogues, il y a des réflexes, on réagit de certaines façons que l'on ne peut contrôler. C'est pourquoi on voulait vous montrer ça. Vos pupilles réagissent différemment si vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogue. Ce que l'on vise avec ce test-là, c'est que le cerveau doit traiter deux informations différentes, qui est d'écouter les instructions des policiers et de marcher droite sur la ligne. It's quite a big problem, you know, because we are losing more than a million of people around the world at the moment. So it's really important to try to reduce that big numbers. I think that this test is actually completely clear that if you are under the influence, there's no way you can pass the test.